Bonsoir à vous tous. Nous continuons notre série de conférences sous le thème « Connais-toi toi-même ». Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme qui contient en lui l'univers. Il est une miniature de l'univers. Aux Indes, il y a des sages qui probablement n'ont rien à faire, alors ils s'amusent, ils prennent une coquille de noix de Grenoble et dans cette coquille, qui ressemble à un hémisphère du cerveau, ils placent 108 verges de soie. Et probablement qu'ils connaissent la structure de notre cerveau. Car notre cerveau est une miniature de galaxie. Comme peut-être cette coquille de noix est aussi une miniature de notre cerveau. Et même à travers la nature, à travers les fruits, à travers des légumes, nous allons découvrir de telles merveilles qu'on sera bien étonné à quel point tout se trouve en nous, à quel point tout est lié et à quel point tout ne fait qu'un. Alors imaginez la petite coquille d'une noix qui peut contenir des verges et des verges de soie. Et quand nous allons connaître la matière de notre cerveau, elle est assez soyeuse peut-être, elle est assez lumineuse et nous serons bien étonnés combien de verges de cette matière soyeuse peut être placée dans une coquille semblable à notre cerveau. Et puisque ces sages savent s'amuser si bien, c'est que peut-être, on n'est pas certain, mais peut-être, ils connaissent la structure d'une galaxie. Alors imaginez qu'à travers ces correspondances, à travers une loi qui s'appelle la loi d'analogie, à travers une petite chose, nous allons connaître les plus grandes choses qui existent dans l'univers. Présentement, nous utilisons à peine un dixième de notre cerveau. Alors, le reste, c'est à étudier. Le reste, c'est à apprendre et ensuite, à travers tout ce que nous possédons, à travers tout ce que nous avons en nous-mêmes, nous allons connaître l'univers entier. S'il y a une correspondance entre notre cerveau et entre galaxies, c'est que dans l'univers, il y a d'autres organismes, il y a d'autres objets, il y a d'autres unités qui se trouvent aussi en nous. Par exemple, il y a le Soleil en nous. Il est même connu par certains ésotéristes, par les initiés, par les maîtres. Le Soleil est connu comme un centre solaire qui s'appelle le plexus solaire, qui est situé au creux au-dessus de l'estomac, et dans ce creux, il y a comme un petit moulin, il y a comme un tourbillon qui nous annonce beaucoup, beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas capables peut-être toujours de les comprendre. On dit on a mal au cœur. En réalité, ce n'est pas au cœur physique qu'on a mal, c'est qu'il y avait un sentiment qu'on a capté, et ce sentiment, il ne correspond pas au niveau, au degré, au taux vibratoire de nos sentiments. Ça veut dire que c'était quelque chose qui n'accordait pas, qui ne sonnait pas, qui n'allait pas avec nos propres sentiments. Et dans ce cas, on dit « Oh, j'ai mal au cœur ». Mais ce mal au cœur, il n'est pas du tout physique. Il se passe au niveau éthérique, à travers le plexus solaire,
qui est un tourbillon extraordinaire et à travers lequel nous pouvons capter tout ce qui se passe, non seulement chez nos amis, chez nos enfants, chez les humains, chez les animaux, mais nous pouvons capter les influences de l'univers entier, car ce plexus solaire, c'est une porte d'entrée. Comme chaque bâtisse, elle a une porte d'entrée, alors une porte d'entrée principale, car on peut avoir plusieurs portes, alors cette porte principale d'entrée et de sortie, évidemment, c'est notre plexus solaire qui ressemble à un soleil. Ce sont des tourbillons très puissants, nous parlerons plus tard de cela, et à travers ce plexus solaire, nous recevons toutes les influences et nous envoyons beaucoup de choses. Donc, quand nous ouvrons, quand nous fermons les portes, on n'a jamais pensé que le même mouvement, que la même action, que la même chose, nous faisons en nous-mêmes chaque fois, seulement sur un autre plan, avec des matières beaucoup plus subtiles. Nous fermons les portes avec nos mains. Mais peut-être, au niveau plus subtil, nous avons d'autres mains qui ressemblent à petites baguettes magiques ou qui ressemblent aux antennes. Et voilà, ces petites antennes peuvent fermer et ouvrir nos portes, mais on ne les connaît pas. Alors n'importe qui peut pénétrer en nous, n'importe quoi peut sortir, comme si vous avez une maison où le propriétaire, où il n'est pas présent, où il n'est pas conscient, où il est endormi, et à cause de cela, n'importe qui peut entrer dans la maison. Il se passe la même chose avec nous. Et vous avez sûrement vu l'image de Jésus où son cœur est visible et il est placé au milieu. Il n'est pas placé à gauche, là où notre cœur se trouve, mais ce sacré cœur se trouve au milieu. Et en plus, il est entouré d'une flamme. Et voilà, dans la science initiatique, ce cœur s'appelle le cœur initiatique. Initiatique qui veut dire ce qui nous mène à l'intérieur, celui qui nous mène à l'intérieur. Alors nous possédons donc un soleil en nous. Nous possédons encore beaucoup d'autres merveilles qu'on va trouver l'analogie, qu'on va trouver la correspondance. Par exemple, toute cellule de notre corps physique, toute cellule qui peut être analysée, vue, même touchée, nos cellules ont la forme d'une poire qui ressemble un peu aussi à un cœur. Alors, des milliers et des milliers de ces petites cellules qui ressemblent à une poire, à un petit panier d'une poire, en forme d'une poire. Et vous voyez, nous connaissons un fruit qui est le même, poire, et la correspondance, elle est là. Nous allons parler un jour de la pomme. Qu'est-ce qu'il y a dans la pomme? Pourquoi elle était utilisée dans la Bible? C'est tout un symbole, ce fruit magnifique. Comme une poire d'ailleurs, qui représente le cœur, qui représente en même temps notre cellule. Et si nous séparons une poire en deux, nous allons trouver deux oreilles. Les deux parties d'une poire, ce sont deux oreilles. Alors nos oreilles correspondent aussi à cela. Et à travers nos cellules, nous pouvons entendre. Notre corps transpire, notre corps travaille. À travers seulement les cellules de la peau, nous accomplissons tout un travail. Et voilà, comme cette cellule physique ressemble aux oreilles, si on les partage en deux, alors nous allons dire une expression qui est connue, on dit « on est tout oreille ». Et vous allez voir plus tard comment nous allons trouver des correspondances extraordinaires que nos oreilles, on les trouve aussi à l'intérieur. On a par exemple les poumons qui sont deux oreilles. On a des reins qui sont deux oreilles. Nos pieds ressemblent aussi à deux grandes oreilles. Alors quand nous disons « on est tout oreille », ça veut dire qu'on prête toute notre attention
Et par toutes nos cellules, nous captons, nous écoutons, nous entendons. On trouvera beaucoup d'autres correspondances à travers les fruits, à travers les légumes, à travers les minéraux, à travers les pierres précieuses. On va parler un jour, par exemple, des pierres précieuses. Et nous allons, d'ailleurs, si nous lisons l'Apocalypse, la description qui est donnée du temple, qui est donnée de la Nouvelle Jérusalem, nous allons trouver des merveilles et on ne nous a peut-être jamais expliqué que cette Nouvelle Jérusalem, c'est nous-mêmes, c'est notre corps, c'est le temple de l'Esprit où l'Esprit doit habiter. Alors quand on nous a dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vous habite ?» Eh bien, c'est justement ce temple, c'est notre corps. Et dans notre corps, comme on a dit tout à l'heure, il y a une porte d'entrée principale qui se trouve au niveau du plexus solaire, qui était connue. Même Jésus est présenté avec cette porte. Quand on le présente avec le cœur initiatique, le cœur qui mène à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous lie avec l'intérieur de toute chose qui existe. Alors, c'est une des portes, c'est une porte principale, mais nous avons beaucoup d'autres portes. On va découvrir qu'exactement comme c'est décrit dans l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, avec toutes ses portes et toutes ses merveilles, nous possédons aussi 12 portes. Sur la tête, nous avons 7 portes. On a 2 oreilles, on a 2 yeux, 2 narines et une bouche, ça fait 7 portes. Et chaque porte a un travail tellement merveilleux que seulement le symbolisme, seulement ce travail qu'une porte peut accomplir, c'est une science universelle, c'est une science cosmique. Ensuite, on a le nombril. On a 2 portes sur la poitrine qui sont fonctionnelles chez la femme et qui ne sont pas pour l'instant fonctionnelles chez l'homme. Et ensuite, 2 autres portes, ça serait facile de trouver pour tout le monde. Alors, ça donne 5 autres portes, plus les 7 portes qui se trouvent sur la tête. Alors, ça donne 12. Ça donne 12. Pourquoi 12? On en parlera aussi plus tard. Ça correspond aux 12 signes du zodiaque, ça correspond à d'autres choses qui est un nombre de 12 en nous-mêmes. Un jour, nous parlerons de nos glandes et que nos glandes, sur un autre plan, ont une correspondance éthérique qui s'appelle chakra. Ces chakras, ce sont des tourbillons d'énergie qui se trouvent en nous. Alors, on va les énumérer un jour, on va les voir même à travers une autre image, tout au long de la colonne vertébrale, nous possédons ces centrales et nous les utilisons constamment pour tout travail que nous faisons, pour toute manifestation qu'il faut accomplir, nous utilisons les énergies de ces 7 chakras. Le mot chakra veut dire roue. En sanskrit, ce mot veut dire roue, ça veut dire un tourbillon. Vous savez qu'une roue peut fonctionner très lentement ou elle peut marcher très rapidement. Vous imaginez un ventilateur et vous le branchez à une certaine vitesse. On peut encore voir ses rayons, il va tourbillonner à peine. Et quand on le branche à une autre vitesse, ça va devenir un tel tourbillon qu'on ne voit plus la roue, qu'on ne voit plus les rayons de la roue, mais on voit seulement un tourbillon. Alors, en nous-mêmes, tout au long de la colonne vertébrale, il y a 7 roues principales, parce qu'on a d'autres qui sont secondaires, et ces 7 roues nous lient à certaines planètes, aux 7 planètes, elles nous lient aux 7 systèmes solaires qui nous influencent sans cesse, car vous le savez, qu'il y a des systèmes et des systèmes solaires à l'infini. Alors nous recevons les énergies non seulement de notre soleil, mais des autres, à travers nos propres centres énergétiques. Ensuite,
elle nous lie avec les mêmes chakras qui se trouvent au niveau cosmique. Il y a les centrales énergétiques au niveau cosmique et nous sommes liés à ces centrales et nous allons voir tout cela en image, mais plus tard. Alors, si nous regardons juste quelques petites correspondances, juste quelques petits faits qui nous échappent quelquefois, qu'on n'a pas vu ou qu'on ne nous a pas enseigné, nous allons découvrir qu'il y a vraiment des merveilles qui nous entourent et qu'on peut découvrir et qu'on peut s'émerveiller sans cesse. Alors, l'homme représente par lui-même une miniature de l'univers. Un jour, nous parlerons d'une structure universelle qui ressemble à un arbre. Et cet arbre s'appelle l'arbre de vie. Et l'homme, sur cet arbre de vie, a sa place, car sur un arbre, il y a beaucoup de parties. Vous savez qu'il y a des feuilles, qu'il y a des fruits, qu'il y a des fleurs, qu'il y a des branches, qu'il y a le tronc, qu'il y a des racines. Et à chacune de ces parties, il y a même en nous des choses qui correspondent. Très bientôt, nous le verrons en image comment la correspondance avec un arbre est extraordinaire. Et à quoi correspondent, par exemple, les feuilles d'un arbre qui s'en vont. Chaque automne, ces feuilles s'en vont et il y a une partie en nous-mêmes qui s'en va aussi après un cycle. Il y a en nous des racines qui sont beaucoup plus stables, qui sont beaucoup plus durables, car sans racines, aucun arbre ne peut exister. Il y a des fruits en nous et nous serons émerveillés comment partout et par tout ce que nous faisons, nous pouvons former un fruit, nous pouvons trouver en nous un fruit et l'offrir aux autres comme l'arbre le fait. Alors, à travers l'être humain, à travers ce thème qu'on a choisi, connais-toi toi-même, en nous connaissant graduellement, petit à petit, nous allons découvrir l'univers sans se déplacer pour débuter, sans aller trop loin. Par cette connaissance de l'être humain, nous allons découvrir l'univers, car tout est en nous. Nous sommes une miniature de l'univers qui s'appelle depuis des millénaires mini-cosme. Il existe un maxi-cosme qui est l'univers lui-même et il existe le mini-cosme qui est nous-mêmes. On nous a parlé, par exemple, dans la Bible, de cet esprit devant le trône. Et c'est cet esprit devant le trône, nous allons le trouver en nous-mêmes. On a mentionné tout à l'heure des chakras. Alors, ces sept chakras représentent cet esprit devant le trône. Et en nous-mêmes, nous allons découvrir le trône. Donc, même tout ce qui est décrit dans la Bible, même tout ce qu'on nous a enseigné, ou à travers les Écritures saintes, ou à travers la science, tout, absolument tout, nous allons découvrir en nous-mêmes. Cet esprit existe sur un plan. Mais ensuite, il y a un autre plan où nous allons découvrir, à travers nos chakras, à travers ces centres énergétiques, nous allons par exemple découvrir les personnages bibliques. Nous serons bien étonnés qu'il y a Marie et Joseph en nous, qu'il y a Judas, qu'il y a Marie-Madeleine, qu'il y a d'autres personnages, qu'il y a le Christ, et que tout est, absolument tout est en nous. Tout ce dont on parle peut être présenté premièrement sur le plan physique, sur le plan tangible, sur le plan où toute analyse humaine, où toute la science humaine peut arriver à discerner, à analyser et à voir. Mais à part de ce côté physique, à part de ce côté qui est tangible, invisible, l'homme est constitué
d'autres matières qui sont vraiment des matières, mais ces matières ne sont pas perceptibles. Par exemple, imaginez une mère qui travaille quelque part dans une usine et tout d'un coup, elle ressent quelque chose, comme on a dit tout à l'heure, au cœur. Et cette expression au cœur, c'est justement à travers son plexus solaire, elle a reçu un message. Il y a quelque chose qui est entré en elle et elle est certaine que son enfant est en danger, ou que son enfant pleure, ou que son enfant a faim. Et il n'y aura personne au monde qui peut la convaincre que ce n'est pas vrai. Elle sera sûre et certaine, comme on dit, de son affaire. Ça veut dire elle est certaine que le message est capté et que c'est ainsi. Mais qu'est-ce que c'est qui l'a pénétré? Il n'y a aucun appareil, il n'y a aucune possibilité de mesurer, de capter, d'enregistrer ce qu'elle a capté. Et si elle arrive à la maison, immédiatement ou par la suite, si elle apprend qu'est-ce qu'il s'est passé, elle va vérifier que son message était véridique. Alors, elle a reçu une onde, elle a reçu un courant, elle a reçu une énergie, mais comment la nommer, comment la détecter, comment la déchiffrer ou mesurer? On dit, bien, c'est le niveau sentimental, c'est le niveau émotif. Elle a capté le désir, le besoin de son enfant. Alors, au niveau des sentiments, comme au niveau physique, l'homme travaille aussi avec certaines matières. Vous imaginez un jeune amoureux. Tout d'un coup, il aperçoit sa bien-aimée et il y a quelque chose en lui qui se passe. Sa circulation devient très rapide, son sang monte et même vous pouvez voir comment où il devient rouge, où il change de couleur. Et c'est tellement rapide qu'il n'y a aucune possibilité de maîtriser, de contrôler ce qui se passe. Alors, au niveau physique, rien ne s'est passé. Il reste sur place, peut-être, sans bouger même. Juste le fait qu'il a aperçu, qu'il a vu, disons, sa bien-aimée ou quelqu'un d'autre qu'il aime beaucoup. Tout un changement se produit et les effets sont tangibles. Les effets sont physiques, mais ça s'est passé sur un autre plan. Personne ne l'a tapé, personne ne l'a touché, rien n'est arrivé jusqu'à son corps physique, visiblement, et pourtant, tout un changement extraordinaire qui se passe en lui. Alors, on dit aujourd'hui, eh bien, c'est sur le plan émotionnel, c'est sur le plan des sentiments, mais nous travaillons avec ces matières. Imaginez que même quand on ne voit pas celui qu'on aime, ou même quand on ne voit pas celui qu'on n'aime pas, il y a des sentiments qui peuvent nous faire bouger, qui peuvent nous pousser à accomplir des gestes, qui peuvent nous pousser à accomplir des actions. Et il y a tout un remue-ménage qui se passe en nous sans toucher une matière quelconque visible. Et pourtant, ça fait travailler, ça fait pousser, ça fait agir. Et voilà, avec quelle matière on travaille? Eh bien, on dit, bien, c'est quelque chose au niveau des émotions. Il dit, ces émotions, quelquefois, étaient plus fortes que moi-même. C'est très vrai, ça peut devenir très forte qu'on ne contrôle plus rien. Mais on travaille avec ces émotions. On peut les diriger comme amour. On peut les diriger comme haine, on peut les diriger comme compassion, on peut les diriger comme méfiance, on peut les diriger très différemment. Et on sait un tout petit peu aujourd'hui que ça peut être positive ou négative, mais plus on ne sait pas. Et pourtant, très bientôt, nous aurons même des appareils pour mesurer, pour voir, pour contrôler, pour étudier toute cette matière avec laquelle nous travaillons sur le plan des sentiments. Aujourd'hui, ce plan est appelé astral. Astral parce que c'est un plan
de lumière. C'est un plan de couleurs magnifique. Et comme astre, c'est une lumière. Comme un astre, c'est le symbole de la lumière. Et sur ce plan, tout est lumière en couleur. Évidemment, c'est une lumière dont les vibrations sont assez au ralenti. Et à travers ces vibrations, à travers ces ondes que nous recevons, nous faisons tout un travail du premier souffle jusqu'au dernier soupir. Un petit bébé qui vient au monde, comment se fait-il qu'il sait? Comment se fait-il qu'il peut détecter si c'est sa mère ou si ce n'est pas sa mère? Si c'est sa mère, il va être bien, il ne va pas pleurer, mais dès que c'est un étranger et qu'il ne vibre pas autant avec cet étranger, alors il se mettra à pleurer. Alors déjà, un petit bébé qui est à peine quelques heures ici, il peut déjà travailler, et il travaille d'ailleurs déjà avec toutes ces matières qui nous sont aujourd'hui inconnues. Vous êtes chez vous, vous êtes bien, et tout d'un coup, une pensée vous vient. Ce n'est pas un sentiment, c'est une pensée. Vous pensez à votre ami d'enfance et vous avez l'impression que quelque chose se passe. Et tout d'un coup, dans votre pensée, vous avez même des images qui peuvent être des images belles, heureuses ou des images d'une autre catégorie, d'un autre genre. Et vous êtes sûr et certain qu'il y a quelque chose qui se passe avec cet ami. Si les pensées sont belles, c'est qu'il se prépare peut-être pour le mariage. Si ses pensées ne sont pas belles, il se peut qu'il ait arrivé quelque chose de grave. Et par la suite, ou tout de suite, vous apprenez justement la nouvelle au sujet de votre ami. C'est que vous avez capté une matière, une image qu'on appelle aujourd'hui mentale. Et cette image est extrêmement vivante. Cette énergie, elle est très rapide. Et même si votre ami se trouve de l'autre côté de la Terre, vous pouvez capter sa pensée. Aujourd'hui, il y a énormément d'expériences qui se font dans ce sens. Par exemple, si vous avez lu le livre de deux femmes américaines, Les recherches fantastiques en Russie, il y a beaucoup d'études qui se font au niveau mental, au sujet de la pensée, sur la puissance de la pensée. Alors, tout ce travail prouve déjà scientifiquement que nous travaillons sans cesse avec des matières et des matières au niveau de la pensée, au niveau mental. Et même bientôt, on va découvrir qu'il y a le mental concret qui peut être présenté par une image, par une pensée concrète, par une pensée imagée, mais qu'il y a une autre partie de notre mental qui est plus abstraite, qui ne peut pas être présentée par une image. Seulement par la suite, nous sommes capables d'extraire des images de ce symbole, de faire des images, mais en elle-même, cette pensée est comme un symbole, comme une semence. Dans une semence, il se trouve déjà toutes les images de l'arbre futur. Il y a toute sa musique, il y a toute sa sève, il y a tout ce qui va se passer au niveau des racines, il y a tout le travail alchimique de la formation des fruits. Mais quand nous regardons juste une semence, eh bien, on ne voit pas grand-chose, parce qu'elle est un symbole, elle est un résumé, elle est un petit tout qui contient énormément et énormément de détails. Et imaginez un arbre qui peut vivre des centaines d'années, que tout est déjà contenu dans cette petite semence minuscule. Alors notre pensée est capable de contenir aussi des pensées semences. Elle est capable de contenir
des symboles. Par exemple, vous prenez une note. Quelqu'un qui ne connaît pas des notes, ce petit ovale noir ne lui dira pas grand-chose. Mais s'il s'agit d'un musicien, cette note, ça va être toute une vie pour lui. À la base de cette note, il peut composer toute une œuvre. En s'inspirant de cette note, il peut créer des merveilles. Par exemple, Beethoven avait une servante. Et sa servante chantait beaucoup. Et vous savez sûrement qu'à la fin de sa vie, Beethoven est devenu sourd. Et à cause peut-être de ce fait, elle était obligée de parler très fort. Et elle était toujours très gaie, elle était toujours très bien. Et elle inspirait beaucoup Beethoven. Alors, il est arrivé quelque chose un matin et elle s'est mise à rire. Et elle a ri d'une telle façon, que ça l'a inspiré pour toute une œuvre. Par exemple, elle riait ha 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 ha. Alors, ça lui a donné toute une idée pour réaliser quelque chose. Et imaginez maintenant que ce rire peut être transmis par des notes. Et chaque note va contenir toute une vie. Vous prenez un chinois et un français, un anglais et un russe, et vous les placez ensemble, ils ne pourront pas se comprendre. Mais vous mettez un disque, une œuvre musicale, et on va retrouver, si on avait aujourd'hui un appareil pour photographier ce qui va se passer dans leur pensée, alors on va trouver les mêmes images produites, provoquées, formées dans leur pensée. Alors par le langage, par l'expression au niveau physique, il serait impossible de se comprendre, mais au niveau de la pensée, grâce à ces notes symboles, grâce à cette pensée abstraite qui est contenue dans ces petits symboles, voilà, ces êtres différents dans la vie ordinaire, dans la vie courante, qui ne peuvent même pas se parler, eh bien, ils vont se comprendre, ils vont se regarder et sourire l'un à l'autre, parce que cette œuvre musicale provoque en eux les images qui se ressemblent beaucoup, qui sont presque identiques. Alors, au niveau de la pensée, nous sommes capables de faire une analyse, de comprendre les images concrètes, mais aussi nous sommes capables de comprendre des images abstraites, des images qui contiennent tout un monde, des images semences, des pensées semences. Ou vous prenez un mathématicien, ou vous prenez même la médecine, par exemple. Les deux médecins, il y a un d'Italie et l'autre de notre pays. Alors, la recette que l'un a écrite, l'autre pourra lire grâce à la langue latine qui est utilisée pour écrire ces choses. Tandis qu'au niveau du langage, au niveau physique, ils ne pourront pas se comprendre. Et les mathématiques, par exemple, aussi, c'est tout un langage symbolique qu'un mathématicien d'un côté de la Terre et l'autre de l'autre côté de la Terre, ils peuvent comprendre les mêmes formules, les mêmes choses, sans se comprendre au niveau physique, par la langue utilisée. C'est grâce au symbolisme, c'est grâce à ce côté abstrait de la pensée qui est exprimé par les symboles tels que les chiffres, tels que les notes, tels que d'autres symboles comme une langue qui peut être utilisée un peu partout, ou même d'autres qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Alors, au niveau de la pensée, l'homme accomplit un travail sans cesse, mais ce travail n'est pas connu. Et même si nous regardons, par exemple, deux pensées, nous allons prendre une pensée, eh bien, j'ai besoin d'acheter le fromage Kraft.
vous savez très bien que ce n'est pas une pensée qui va survivre des siècles et siècles et des siècles et qui va apporter à l'humanité une découverte. C'est une pensée image, très ordinaire, très quotidienne, qui est là, que nous utilisons, mais qui n'a pas une valeur d'une pensée, par exemple, ce qu'on a choisi nous, connais-toi toi-même, aimez-vous les uns les autres, etc. Alors, même à travers ce que nous sommes capables d'exprimer, il y a des valeurs très différentes et chaque pensée, nous pouvons cataloguer, classer et placer à un degré spécial d'après sa valeur. Donc, la matière qui compose « je dois acheter tel fromage », la matière n'est pas la même qui compose, comme celle qui compose une phrase qui va survivre des siècles et des siècles. Au commencement était le verbe. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui encore? Même si cette phrase existe déjà des millénaires, nous ne la comprenons pas encore. Et imaginez qu'elle va encore exister des millénaires et un jour peut-être nous la découvrirons. Nous découvrirons où elle est en nous et qu'est-ce qu'elle représente. Au commencement était le verbe. Donc, elle est composée d'une matière tellement durable, tellement impérissable, qu'elle peut durer des siècles. Tandis qu'il y a des milliers et des milliers d'autres pensées composées aussi d'une matière mentale, mais ces pensées étaient très peu durables. Ces pensées ont péri, ont vieilli et n'existent plus. Donc au niveau de la pensée, comme au niveau physique, il y a des métaux ordinaires, il y a des métaux précieux, il y a des pierres ordinaires, il y a des pierres précieuses, il y a des hommes ordinaires, il y a des hommes plus précieux, il y a des génies, il y a des saints, il y a des initiés, il y a des maîtres, il y a des anges. Alors, il y a des catégories et des catégories en tout. Et aujourd'hui, à peine, pour la première fois peut-être, nous parlons que même dans notre pensée, nous utilisons des matières très différentes, qui peuvent être comparées avec le travail de tisser. Imaginez une femme qui tisse, elle peut tisser un lainage, un tissu très épais, très rugueux, et une autre qui peut tisser la soie, quelque chose de très beau, qui va durer très longtemps, qui s'use plus lentement. Et voilà, dans notre pensée aussi, même on va apprendre comment utiliser ces matières, comment tisser, comment composer des pensées qui peuvent durer des siècles. Apparemment, depuis Socrate, aucune nouvelle pensée n'est apparue sur Terre. Alors imaginez qu'on n'a rien tissé, qu'on n'a rien fait, on utilise et puis on fait tourner toujours la même chose et toujours la même chose sans inventer, sans capter et sans créer quelque chose de nouveau. Toutes ces choses, nous les vivons 24 heures par jour, seulement nous ne sommes pas conscients. Maintenant, imaginez qu'à part du système osseux, qui est très solide, qui est très tangible, que chaque os peut être classé, nommé, analysé, on a un autre système qui est beaucoup plus subtil et beaucoup plus rapide, c'est le système sanguin. C'est un système qui circule, qui va partout, qui emporte les impuretés, qui amène la vitalité. C'est un système qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus vivant. Au-dessus de ce système, nous avons un autre système qui est le système respiratoire. C'est un autre système qui est encore plus subtil car il travaille une autre matière. Il travaille une matière qui est encore plus subtile que le liquide. Alors, on a solide, liquide, et ensuite le gazeux. Ou le gazeux ou aérien, si on veut. Et quand nous regardons les éléments, il y a des solides, qui est la terre, il y a des liquides, qui est l'eau,
il y a des gazeux, qui est l'air, et le quatrième élément qui est connu chez nous, c'est le feu. Et où est-ce qu'il se trouve ce feu en nous? Bien, on va se dire, c'est la chaleur. C'est vrai, c'est la chaleur, mais cette chaleur s'exprime à travers un système. Cette chaleur peut se transmettre. Vous rencontrez quelqu'un, et d'ailleurs on le dit, oh, il est très chaleureux. Et vous rencontrez quelqu'un d'autre, et vous dites, oh, qu'il est froid. On dit même qu'il a le cœur froid, qui est un non-sens dans le sens physique, parce qu'on ne peut pas avoir le cœur froid. C'est seulement celui qui meurt qui a le cœur froid. Alors, où se trouve cette chaleur qu'on cherche et qu'on dit qu'il est chaleureux et que son cœur n'est pas froid? Donc, c'est sur un autre plan. Et ce feu, cet élément feu, s'exprime en nous à travers le système nerveux. Alors, il y a le système osseux pour la terre, il y a le système sanguin pour l'eau, il y a le système respiratoire pour l'air, et il y a le système nerveux pour le feu. On dit d'ailleurs de quelqu'un qu'il est tout feu. Tout feu, eh bien, c'est que ce réseau extraordinaire qui travaille avec la chaleur intérieure, ce réseau est en ordre, ce réseau est très, très, très en forme, et voilà, tout se fait comme il faut, et quelqu'un peut manifester cette chaleur, qu'elle devienne même tangible et visible. Mais en dehors de ces systèmes que la médecine, que la science, que l'anatomie connaît aujourd'hui, en dehors de ces systèmes, nous avons beaucoup d'autres systèmes qui ne sont pas encore connus. Par exemple, on va apprendre justement bientôt ce système des chakras, ce système éthérique qui nourrit l'homme au niveau de la vitalité, au niveau des énergies qui nous donnent la santé, qui nous donnent la vigueur, qui nous lie même à beaucoup d'autres choses. Alors sur ce plan, l'homme travaille avec un autre réseau, avec un autre système qui est le système des chakras, le système éthérique. Mais au-dessus de ce système éthérique, nous avons encore d'autres systèmes. Vous avez sûrement entendu parler de l'aura. D'ailleurs, la science d'aujourd'hui l'a prouvé déjà. Il y a un couple russe qui a inventé un appareil pour photographier cette vitalité qui se trouve autour, par exemple, des feuilles, des plantes, des animaux et même des humains. Autour d'un doigt. Alors, elle peut photographier déjà le côté éthérique, le côté subtil, le côté aurique. L'image que vous voyez, le corps physique, ce sont les contours noirs, et tout autour de ces contours se trouvent d'autres petites lignes qui sont en violet, ceux qui possèdent la couleur. Ces petites lignes violettes représente notre fluide éthérique qui entoure le corps et qui a une certaine épaisseur. Et ce fluide éthérique forme tout un corps car il nous pénètre, il nous transperce. Et voilà, nous sommes entourés d'un double qui est notre force vitale, qui est ce côté, ce système éthérique. Ensuite, vous voyez un œuf qui nous entoure. Cet œuf vert, il représente notre corps émotionnel, notre corps astral ou sentimental. Et c'est tout un réseau qui nourrit, qui envoie, qui capte les énergies au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Et il est en forme de œuf pendant toute notre vie, car il n'est pas encore autant formé que le corps éthérique, que notre double éthérique. Ensuite, vous voyez les contours rouges qui
se trouve au-dessus de nous, ces contours rouges, c'est justement la matière de la pensée concrète. La matière de la pensée concrète qui peut prendre une forme et qui s'exprime toujours par une image. Mais l'homme, aujourd'hui, n'est pas encore tout à fait familier avec cette matière. Il ne sait pas toujours comment s'y prendre, comment la diriger, même s'il l'utilise, il l'utilise inconsciemment. Quand nous allons parler de la pensée, comment travailler avec la pensée, alors nous reparlerons de toute cette matière, comment former, comment utiliser nos pensées, comment aider les autres, comment faire des merveilles par notre pensée. Ensuite, vous voyez des points dorés. Ces points dorés, ce sont justement les petites semences abstraites dont on a parlé tout à l'heure. Nous pouvons capter, comme une télévision peut capter une image, comme la radio peut capter un programme de chant, un concert. Exactement, ces petits points dorés captent et contiennent d'abord, et nous-mêmes, nous sommes capables de les analyser, de les transmettre, de les capter comme des pensées semences, des pensées symboles, comme on a dit tout à l'heure, au sujet des notes, des chiffres et d'autres symboles qui existent à travers l'univers, par exemple l'arbre. L'homme, c'est aussi un arbre, mais renversé. Et nous en parlerons une autre fois. Nos cheveux, ce sont les racines, nos racines, mais tournées vers le ciel. Et un arbre, ses racines sont tournées vers la terre. Et en dehors de cette matière mentale abstraite, de ce système, si on veut, il y a encore un autre système. Nous en parlerons plus tard. Vous les voyez comme des rayons jaunes, or. Et ces rayons jaunes, or, nous permettent d'utiliser, de capter une autre matière qui est au-dessus de la matière mentale, qui est encore plus subtile que la matière mentale, et elle s'appelle la matière bouddhique. La matière bouddhique qui était utilisée, par exemple, par les saints. Les saints, dans leur amour immense. Les saints, dans leur travail qu'ils ont accompli envers les humains, il utilisait un amour infini. Il utilisait une matière que les hommes ordinaires n'utilisent pas encore. Vous prenez par exemple une sainte de notre époque qui est Mère Teresa. Mère Teresa, vous pouvez vous demander, mon Dieu, d'où est-ce que cette petite femme, qui est toute menue, qui a quand même un âge très respectueux, d'où est-ce qu'elle prend ses énergies pour accomplir toutes ses œuvres? Alors, ses énergies, ses images, sa nourriture provient justement de ce plan bouddhique qui veut dire raison pure et amour pur. Sur ce plan, ce qui est partagé, séparé, plus bas, au niveau des sentiments et au niveau de la pensée, où ça peut être positif, négatif, noir et blanc et d'autres couleurs, sur ce plan, c'est l'amour pur et les raisons pures qui sont unies, qui sont ensemble, c'est le mariage de la sagesse et de l'amour. Et quand on se nourrit de ce plan, quand on utilise cette matière, c'est qu'on devient infatigable, c'est qu'on devient créateur, c'est qu'on peut accomplir des œuvres planétaires et tous les êtres, tous les saints qui l'ont fait, c'est qu'ils se sont nourris sur ce plan. Alors, imaginez-vous quelle sorte de système, quelle sorte de pensée, quelle sorte de sentiment subtils, ils possédaient pour accomplir leurs œuvres. Et tous les humains, heureusement, très bientôt, vont apprendre à utiliser ces matières. Tous les humains vont devenir les créateurs, infatigables créateurs, et non seulement cela, mais on va acquérir l'immortalité.
ces énergies divines vont nous nourrir sans cesse, dès que nous serons branchés évidemment, et nous allons atteindre l'immortalité. Et quand on a parlé de l'ère du Verseau, justement, l'humanité travaillera pendant cette ère, pendant cette période, pour acquérir, pour atteindre l'immortalité, car on saura comment se brancher, comment utiliser ces énergies précieuses qui nous entourent, qui sont là, qui sont accessibles pour tout le monde, mais on ne sait pas comment s'y prendre, comment les utiliser. C'est comme si vous imaginez quelqu'un qui habite dans une cave et il reste tout le temps dans sa cave et il n'a jamais vu le soleil. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste? Bien, c'est juste de sortir de sa cave et il verra le soleil. Alors, l'humanité, en face de ses énergies, est semblable à celui qui habite dans la cave. On n'est pas sorti de notre plan inférieur, de ce côté animal. On ne sait pas quoi faire, comment faire, et la lumière, pourtant, elle est là, elle nous entoure, mais notre conscience n'est pas suffisamment ouverte, n'est pas suffisamment large pour comprendre et saisir ce qui nous est accessible, ce qui est tout près, ce qui était préparé depuis longtemps pour nous tous. Alors, l'homme donc travaille sur plusieurs plans sans cesse, mais il n'est pas conscient. Et en dehors de tout ce qu'on a énuméré, l'homme lui-même possède et produit un résumé de ses actions au niveau physique, de ses sentiments au niveau émotionnel, de ses pensées au niveau mental, et ce résumé se présente autour de lui comme des tourbillons extraordinaires d'une lumière, des couleurs, et ces couleurs ensemble forment ce qui est appelé aujourd'hui l'aura. Alors, chaque homme est entouré par l'aura qui a des couleurs différentes et l'intensité de ces couleurs peut changer selon la qualité de nos pensées, la qualité de nos sentiments et la qualité de nos actions. Quand nous sommes en colère, par exemple, il y a dans notre aura une couleur rouge, mais très désagréable. Une couleur rouge terne. Et si quelqu'un passe à côté de nous, eh bien, on le salit par cette couleur qui n'est pas belle, qui est terne, qui est un peu sale. Donc, il prend certaines particules de notre aura, ça l'influence, et si on reste auprès de quelqu'un avec toute notre colère, même si on essaye de la contenir, eh bien, tout le monde va s'apercevoir, car c'est écrit dans notre aura. C'est comme s'il y a des appareils qu'on utilise dans la médecine, des appareils qui enregistrent toutes sortes d'ondes, toutes sortes de travail qui se fait à l'extérieur, à l'intérieur, dans le cœur, dans le cerveau. Et à travers ces enregistrements, on voit un travail. Alors bientôt, on aura des appareils qui pourront enregistrer des changements qui se produisent dans notre aura. Quand nous prions, quand nous allons dans une église, il y a beaucoup, beaucoup de très belles choses qui nous entourent. On peut même attirer des êtres, si vous voulez qu'on les appelle des anges, des êtres invisibles qui vont nous accompagner. Et si notre prière est très sincère, on peut se faire des amis parmi ces êtres invisibles et qui vont nous accompagner tout le temps. Alors, l'homme, donc, possède beaucoup de systèmes. Certains sont connus, d'autres sont inconnus. Et surtout, à travers le système aurique, à travers cet aura, l'homme contacte l'univers entier. Et de cette façon, il représente une cellule, il représente un système en lui-même, un système dans l'univers. Comme il y a le système solaire, comme il y a le système zodiacal, comme il y a le système galactique, l'homme en lui-même représente tous ces systèmes
et nous allons trouver des correspondances magnifiques, car il est par lui-même l'univers. L'univers en miniature, et il n'y a pas une mouche, il n'y a pas un insecte, il n'y a pas une chose la plus minime, la plus petite, qui existe en dehors dans l'univers, qui ne se trouve pas en nous. Vous allez dire, oh, j'aimerais savoir combien de mouches j'ai en moi. On va en parler. Les mouches se trouvent au niveau des sentiments. Nos sentiments qui ne sont pas beaux, nos sentiments qui produisent, qui se nourrissent des saletés, eh bien, ce sont des mouches en nous. Alors, nous allons trouver des correspondances magnifiques qui nous prouveront que l'homme est un univers. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre patience et la semaine prochaine, nous allons encore continuer par d'autres choses. Ça va être les différents niveaux de la conscience humaine. Nous allons parler de l'inconscient, du subconscient, de la conscience, de la superconscience et comment ces niveaux différents sont placés en nous. À quoi ils correspondent, où nous les trouvons dans la nature et comment nous pouvons les utiliser pour nous comprendre et pour nous connaître mieux. Ensuite, nous parlerons de beaucoup d'autres choses, mais on va commencer d'abord par la conscience, car c'est par elle que nous nous connaissons et que nous sommes capables de tout connaître. Alors, c'est un outil extraordinaire que nous utilisons plus ou moins bien, plus ou moins avec une notion exacte ou inexacte. Et pour l'utiliser mieux, nous en parlerons la prochaine fois.